santé de la reproduction, mise en œuvre d'un plan stratégique. Un plan stratégique national en santé de la reproduction des adolescents et jeunes, SRAJ, est mis en œuvre à partir de cette année jusqu'en 2020. Le lancement officiel a eu lieu aujourd'hui. La dissémination de ce plan stratégique s'avère indispensable pour que les parties prenantes sachent que ce document est disponible et que les actions en faveur des adolescents et des jeunes sont bien cadrées. À Madagascar, la situation est jugée alarmante. Les adolescents et jeunes font face à des difficultés sociales et économiques alors qu'ils représentent 62% de la population. 32% de la population sont âgés de 10 à 24 ans. La problématique de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes reste préoccupante. Fréquence élevée du mariage précoce, forte prévalence de grossesse précoce, faible prévalence contraceptive auprès des jeunes de 15 à 24 ans, tranche d'âge cible préférentielle du mésusage des produits stupéfiants et de fistules obstétricales. Et tous ces faits aggravés par un taux de mortalité maternelle et néonatale parmi les plus élevés au monde. Une fille sur trois se marie avant l'âge de 18 ans. Cette situation est intimement liée aux grossesses précoces qui engendrent des pertes de possibilités d'éducation, perpétuent la pauvreté et constituent un déni des droits fondamentaux de la personne. Parlant de la mortalité, sur 10 femmes qui meurent chaque jour suite à des causes liées à l'accouchement dans le pays, 3 sont des adolescentes de moins de 19 ans.